Je m'appelle Yves. Je m'appelle Camille. Benoît. Je m'appelle Violaine, j'ai 16 ans. 14 ans. J'ai 16 ans et c'est mon deuxième camp. C'est mon tout premier camp à Fondation. Ça fait vraiment plaisir de voir les nouveaux arriver parce que ça y est, ça commence. On a vraiment l'impression de rentrer dans le vif du sujet. Des jeunes qui avaient préparé pour nous le camp nous ont fait vraiment un accueil hyper chaleureux. Les gens sont vraiment super sympas, donc il n'y a pas eu de problème pour créer des liens tout de suite. Chanter, il y avait une super bonne ambiance, directement tout le monde qui tape dans les mains, enfin on a vraiment envie d'y aller à fond. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't l'animation, elle est faite par les jeunes et pour les jeunes. Les jeunes qui arrivent se sentent plus concernés par d'autres jeunes qui en fait partagent leur expérience. Je lui expliquais à mon tour l'importance que Lisa avait dans ma vie et comment elle m'avait aidé à regagner confiance en moi et à m'ouvrir après 2 années assez difficiles. Écouter des gens comme ça qui témoignent de leur vie, enfin, je trouve ça beau et j'aimerais vraiment pouvoir faire ça un jour parce que ils apportent beaucoup de joie autour de moi. Les matinées, on a un temps de réflexion personnelle et après, bah, chacun notre tour, on prend la parole en petit groupe. All kinds of roses, all kinds of roses. Chaque membre du petit groupe n'hésitait pas à dire tout ce qu'il avait sur le cœur. On était dans un climat de confiance. Ils sont tous là, un peu comme moi, ils ne vont pas me juger. On se rendait compte qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Je trouvais que c'était super soulageant. Et de pouvoir partager ça, il y avait vraiment des choses que je me rends compte, j'avais jamais dit. Je crois que Dieu ne s'impose pas. Je pense que Dieu se propose. Il frappe à la porte et il dit « si tu veux ». Je trouve ça intéressant la façon dont ils abordent Dieu parce que tout simplement, ils ne forcent pas les choses. On a vraiment envie que tout le monde soit soi-même et je pense que c'est vraiment l'endroit pour l'être. Et pas que l'église, pas que les rites, mais qu'il y avait aussi notre manière à nous et que chacun peut prier Dieu à sa façon. Même quand on n'est pas croyant, on y trouve quand même notre compte. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens dans mon jardin. Propose, c'est de nous partager ce qui a été important pour vous cette semaine, des moments forts. J'ai appris à un peu me redécouvrir avec
mes talents et mon trésor aussi à l'intérieur. Et j'ai remarqué que j'étais pas aussi timide que je le pensais. Bah, en parlant au micro, par exemple, j'avais pas l'habitude. Je repars aussi en pensant que les adultes sont pas forcément des gens super sérieux qui rigolent jamais et qui sont plutôt cool souvent. Je crois pas vraiment en Dieu, mais quand je vois des personnes qui croient en Dieu et qui rayonnent comme ça et qui ont vraiment confiance et espoir dans leur vie, ça me donne vraiment envie de me poser plus de questions. Maintenant, j'ai l'impression d'être plus à l'écoute et mieux dans ma peau. Peut-être plus ouverte aux autres, parce que j'ai rencontré des gens ici avec qui j'aurais jamais pensé sympathiser, je pense. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Il y a une sorte d'élan, tout le monde va faire la même chose. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien du second. Ça change, ça peut changer une personne.